sura yake ya kwanza. Verset 1 à 8. Mstari ya kwanza paka ya nane. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. Ufunuo wa Yesu Kristo ile Mungu alimpatia. Pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Akuonesha watumishi wake maneno ya atakapofika hapa baadaye. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Na akatuma mtumishi wake malaika kwa kwenda kuona Yohana. Lequel a attesté la parole de Dieu. Ule alishuhudia neno la Mungu. Et les témoignages de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Na ushuda wa Yesu Kristo maneno yote aliyapoona. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Heri anayesoma na yaposikia maneno ya unabii huu. Et qui garde les choses qui sont écrites. Na kushika maneno yaliyoandika ndani yake. Car le temps est proche. Kwani kwa maana wakati ni karibu. Jean aux sept églises qui sont en Asie. Yohana kwa makanisa saba yaliyo katika Asia. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est. Nema iwe kwenu kutoka na salama kutoka upande kwa ule eko. Qui était et qui vient. Mwenye alikuwaka na atakapokuja. Et de la part de sept esprits qui sont devant son trône. Na kwa upande wa maroho saba yenye na kwa mbele ya ile kiti chake cha ufalme. Et de la part de Jésus-Christ le témoin fidèle. Na kwa upande wa Yesu Kristo mushuda aliye mwaminifu. Le premier né des morts. Mzaliwa wa kwanza kati ya wafu. Et le prince des rois de la terre. Na ule mwana wa mfalme wa dunia. À celui qui nous aime. Kwa ule anatupenda. Qui nous a délivré de nos péchés par son sang. Alijiondoa kutoka zambi zetu kwa damu yake. Et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Na kutufanya kuwa ufalme wa ukoani kwa Mungu baba yake. À lui soit la gloire et la puissance. Kwake yeye utukufu na uwezo. Au siècle des siècles. Amen. Ata milele na milele. Amina. Voici il vient avec les nuées. Tazama anakuja na wingu. Et tout œil le verra. Na kila jicho litamuona. Même ceux qui l'ont percé. Na wale waliomchoma. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Na mataifa yote ya dunia wataomboleza kwa ajili yake. Ndio, amina. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Mimi ni alpha na omega, Bwana Mungu anasema. Celui qui est, qui était et qui vient, le tout puissant. Yeye aliye sasa na atakapokuja ndiye mwenye enzi. Nous prenons aussi le livre de Colossiens chapitre 1er. Nachukua pia kitabu cha Wakolosea sura yake ya kwanza. Nous lisons à partir du 9e verset. Tunasoma kwanza mstari ya 9. C'est pour cela que nous aussi, depuis les jours où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Katika hekima yote na elimu ya kiro. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur. Kwa ajili ya kutembea kwa namna iliyostahili kwa ajili ya Bwana. Et lui être entièrement agréable. Na kumupendeza kabisa kwa ujumla. Portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. Mukuzala matunda mbele matendo zote nzuri. Et croissant par la connaissance de Dieu. Na mukukomea kupitia ujuzi wa Mungu. Fortifié à tous égards par la puissance glorieuse. Wenye kupewa nguvu upande zote kupitia ile uwezo yenye utukufu. En sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérant et patient. Mnamna kusema mkuwe kila mara na fura bakukankamana pia baamin bavumilivu. Rendez grâce au Père. Umururishie baba utukufu. Qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints. Il ule alimpatia uwezo kwa na ukuriti kuile uriti watakatifu. Dans la lumière. Ndani ya nuru. Qui nous a délivré de la puissance des ténèbres. Il tukomboa kutoka
ya ule Mungu asiyeonekana, le premier-né de toute la création, ule muzaliwa wa kwanza kati ya maumbile yote. Car en lui ont été créées toutes les choses, wani ndani mwake muliumbiwa vitu yote, qui sont dans les cieux, viliokuwa mbinguni, et sur la terre, na duniani, les visibles et les invisibles, ya konekana na biasipo kuonekana, trône, makiti ya enzi, dignité, mautawala, domination, maheshima, autorité, mamlaka, tout a été créé par lui et pour lui. Yote biliumbiwa naye na kwa ajili yake. Il est avant toute chose. Yeye eko mbele ya kila kitu. Et toute chose subsiste en lui. Na vitu yote viko hapo ni ndani yake. Il est la tête du corps de l'église. Yeye ndio ile kichwa ya mwili ya kanisa. Il est le commencement. Yeye ndiye mwanzo. Le premier né d'entre les morts. Ule mzaliwa wa kwanza kati ya wafu. Afin d'être en tout le premier. Kwa ajili apate kuwa wa kwanza. Car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Wani Mungu alipendaka utele yote au Mungu ishi ndani yake. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même. Kupitia yeye alipenda kupatanisha vyote naye yeye mwenyewe. Tant ce qui est sur la terre, mobile biko pa budongo, que ce qui est dans les cieux, atabile biko mbinguni, en faisant la paix par lui, kufanya salama par le sang de sa croix. Amen. Amina. Veuillez vous asseoir. Que Dieu bénisse sa parole. Mungu abariki neno lake. Nous continuons avec la révélation de Jésus-Christ. Tunaendelea na ufunuo wa Yesu Kristo. Nous avions abordé les points concernant la divinité dimanche. Jumapili tulishika nukta inaangalia Mungu. Et nous étions en train de voir les images ou la peinture de Jésus. Frère Branham, notre prophète, nous a montré dans les images qu'on avait, dans les citations qu'on avait lues, qu'aucun artiste ne peut arriver à peindre exactement Jésus. Asema hata mufundi wote hawezi kufikia kumchapa kabisa kabisa Yesu vile iko. Ces images là, c'est de la psychologie, ils ont déjà changé. Mapicha ile balisha yondoa. Ilikuwa ni akili ya mtu. Vous l'avez placé où? Pale mnayondoa, mnaiweka wapi? Ah, il faut chercher un endroit. Hapana. Muyeki hata pale pale fasi moja huko humu ndani. Comme c'était au Branham Tabernacle. Jo ville ilikuwa kama maskani Branham. Parce qu'on se réfère à ça à tout moment. Tunareje maile mapicha tu kuna ishonta wakati ingine ingine tunafundishia hapo. Donc l'image d'Hoffman, amenez-moi ça ici. Ile picha ya Hoffman mulete yo hapa. Branham appelle ça la psychologie la plus proche. Branham anaita mafikiri ya mtu ile na karibia kabisa na Yesu. Il dit parce que quand je vis Jésus, pendant que je priais pour mon papa, il ressemblait plus à ce qu'Hoffman fait. Mais c'est les imaginations, c'est la psychologie. Alors, j'aimerais que nous puissions prendre ensemble la nourriture spirituelle au temps convenable. Mais ça, de manière que tout le monde puisse voir. Pendant que nous lisons. Nourriture spirituelle au temps convenable. Nous commençons à lire au paragraphe 85. Il dit un jour. En tournant cela à droite, où est la photo de la nuée? Un jour, en tournant cela à droite, j'ai regardé. Là où je vous amène,
des extrémités. Ni kupita ima pembeni. Parce que kwani ce qui est inquiétant, il est iko ya kuzunisha dans les prédicateurs du message, ndani ya baubiri ba ujumbe, c'est l'extrémisme. Ni kule kupenda ulikokota kupembeni. C'est-à-dire quand quelqu'un lit quelque chose, maana yake wakati mtu anasoma kitu moja, il fonde sa doctrine là-dessus, anabeba mafundisho yake anaikarishia pale. Il ignore qu'il peut y avoir aussi une citation qui peut dire un peu le contraire de ça. Anasabu ya kusema kunaweza kwa miandiko ingine inaweza kupinganisha kwa kidogo ile. Parce que frère Branham, wani ndu Branham parle dans cet aspect, anasemea mwipembe, la même chose, mambo moya moya, il le dit encore dans un autre aspect, anasemea tena mupembe ingine. Il ne se contredit pas, asilipinganisha pana. Simplement, il aborde un seul point avec des aspects différents. Alors la maladie, c'est que les prédicateurs se cramponnent sur une position et ils amènent les gens dans l'extrême avec ça. Magonjwa ni kusema utaona mhubiri mwingine anazamia ngambo moya na anabeba bantu anawapeleka pake ile ngambo moya ile. Mais nous voulons prendre tous les deux extrémités pour être bien équilibrés par rapport à la peinture de Jésus que nous avons dans nos maisons, nous avons dans nos églises. On a lu dimanche des citations de frère Branham qui traite ça de la psychologie. Aucun artiste ne peut peindre Jésus. Il est allé loin jusqu'à dire, si je vois un homme m'apparaître à cette forme avec le sang coulant, je n'accepterai pas. Amen. Amina. Et ce nombre de citations de frère Branham, ce nombre de citations là a amené certaines personnes à mépriser l'image d'Hoffman. Il est soukouma bantu bengine bana fikia kwanza kuzarau hii picha ya Hoffman. Il y a des gens dans le message, kuko bantu mui ujumbe umu, si te vois avec cette photo d'Hoffman, anakuona na hii picha ya Hoffman, il te voit comme un bébé, anaanza kukuona sa mwana mchanga ajue kintu, comme si tu ne connais pas le message. Sa tu vile aujue ujumbe. Et si tu lui demandes pourquoi, na ukimuliza kwa nini, il va te lire toutes ces citations-là que nous avons lues dimanche. Est-ce que vous me suivez très bien? Maintenant, sasa, nous prenons aussi l'autre aspect, parlant toujours de la peinture d'Hoffman. Comme ça, avec les deux, vous allez savoir comment être équilibré dans la chose. Ce qui est important dans les citations de dimanche, c'est l'insistance de frère Branham. Il dit, nous ne les connaissons pas par la figure, mais par sa vie, par ses œuvres. Parce que nous connaîtrons bien ce qu'il est quand nous serons avec lui. Maintenant, ici dans la nourriture spirituelle, il explique. Il dit, un jour en tournant cela à droite,
le ciel n'était pas tout droit comme ça. Ce n'était pas comme ça. Alors l'ange a dit à frère Branham de pivoter l'image à droite pour que ça donne ça. Malaika ali moleza ndu Branham ai geuza itume kulia njui ikwe ya kusimama vile ilikuwa. Quand ils ont pris des photos, wakati wachukua kama picha, c'était à peu près comme ça. Ilikuyaka mu hivi ndio wachukua kama picha. Et l'ange lui dit tourne ça à droite. Malaika anamwambia sema geuza uitume kulia. Quand on tourne à droite, ça donne le visage d'un homme. Parce que même les hommes de science qui ont pris la photo n'ont pas vu un homme là à l'intérieur. C'est frère Branham, l'œil qui a vu. Parce que tout le monde a vu la niwe mais ne savait pas qui est à l'intérieur. Le seul qui a découvert qu'il y a un homme dans la niwe, c'est frère Branham. C'est pourquoi la Bible a dit tout œil, l'œil au singulier. Verra. Et quand l'œil a vu, il nous dit si vous tournez la photo à droite, vous voyez ses yeux. Donc lui a vu et il nous a montré. Parce que la venue du Seigneur, c'est d'abord à William Branham. Et des types ont été démontrés à la résurrection de Jésus. Quand il apparaît aux disciples sur la mer de Tibériade, c'était la pêche. Il ne savait pas que le Seigneur était là. Mais la Bible dit que les disciples que Jésus aimait beaucoup c'était Jean. Celui qui est allé signaler à Pierre, il dit Simon, l'homme là c'est le Seigneur. Donc quelqu'un voit et il annonce aux autres. Et nous continuons la lecture ici, il dit, en tournant cela à droite, j'ai regardé, là était Jésus-Christ, tout aussi parfait que Hoffman l'avait peint. Mukamilifu zaidi baka vile Hoffman alimuchapa. Tout aussi parfait. Mukamilifu zaidi que Hoffman l'avait peint. Baka vile Hoffman alimuchapaka. Là, ça devient sérieux. Portant une perruque blanche, regardant en bas vers la terre, montrant qu'il est l'autorité suprême. Les cieux le déclarent. La Bible le déclare. Biblia inaitangaza. Les messages le déclarent. Ujumbe pia inaitangaza. Tout cela, c'est la même chose. Yote ile ni kitu moja. L'autorité suprême. Ile mamlaka ya juu zaidi. Portant la perruque blanche. Mwenye kuvala kofia ya mweupe. Vous voyez bien sa barbe noire en dessous. Si mnaona mzuri ndevu yake ya mweusi huku chini.
Beaucoup parmi vous ont vu la photo. Nous l'avons là au fond. Vous voyez la place de la photo de la Niue? Au Branham Tabernacle. Il dit cette photo, nous l'avons là au fond. Quand il parlait pour parler de ça, les gens tournaient pour regarder. Notez des citations. Il vient chambouler tout. Il a arraché la photo de la Niue devant. C'est pas le pasteur racheté. C'est frère Branham. Ninduku Branham. Au Branham Tabernacle derrière la chaire, c'était la photo de la colonne de feu. Et ça, ce n'est pas la photo de frère Branham. On va y arriver. Tout à fait. Ça, c'est la photo du Seigneur. Ini picha ya Bwana. Frère Branham dit, j'ai eu le privilège. Nilipata ko ile bati. Dieu a eu la gentillesse. Mungu alikuwa na ile roho ya buluma. De se faire photographier avec moi. Pamoja na mie. Et c'est la même colonne de feu qui accompagnait les enfants d'Israël. Et c'est le mystère à l'église, le retour de la colonne de feu. Ça, c'est la photo de l'ange du Seigneur. C'est ce qui est derrière la chair. Il voit les prédicateurs. Il tranche les démons. Amen. Amina. Cette photo de la Niue, Branham dit nous l'avons là au fond. Branham asima tuko nayo kule kumwisho. Tournez là simplement à droite. Latéralement. Observez là. Les voilà. Tout aussi parfait que c'était, comme si on l'avait photographié. Eux la regardent dans un mauvais angle. Vous devez la regarder dans les bons angles. Et seul le Seigneur Dieu peut révéler lequel est l'angle correct. Tout dépend de l'angle que vous voyez la chose. L'épouse a le bon angle de choses. L'épouse écoute avec les oreilles du cœur. Même quand ça fait mal aux autres oreilles. Mais l'épouse revoit dans un bon angle. Le bon angle de choses. Et seul Dieu peut donner l'angle correct. Eux ne voient pas parce qu'ils regardent dans un mauvais angle. Et je crois que Dieu te donne le bon angle de choses. Pour voir qui est là dans cette nuée. Si Dieu te donne cette grâce d'apercevoir
percevoir les choses dans les bons angles, même quand une déclaration de la révélation est forte, le Saint-Esprit te montrera dans les bons angles. Je pense que j'ai parlé à quelqu'un. Les bons angles de choses. Observez-la. Le voilà. Juste aussi parfait que cela a été photographié là-haut. Écoutez. La première fois que je l'ai vu, il ressemblait à la tête de Hoffman. Je n'avais jamais vu cela auparavant. Bien des années plus tard, j'ai vu cela au tabernacle de Billy Sandy. Depuis lors, ma maison n'a jamais manqué une de ces images. Moja ya hii mapicha. Et si tu es branamique, na kama weye uku wa branam, tu ne peux pas manquer cette image. Auwezi kukosa hii picha. Amen. Amina. Nous savons que c'est la psychologie. Tunajua kwamba ni psychologia hii picha hii. Hoffman a imaginé ce que pouvait être le Seigneur. Personne ne peut peindre le Seigneur. Hakuna mtu hata mmoja anaweza kumchapa Bwana. Ça, la miwa, c'est la photo. Hii wingo, hiyo ni picha ya kweli. Et ça, c'est le dessin. Hii ni mtu alichapa kumkono. Et voilà la midi. Na ndio baba anasema. La première fois que j'ai vu Jésus, mara ya kwanza pale nilimuonaka Yesu, il ressemblait à l'image de Hoffman. Na hii picha ya Hoffman. Il dit, j'avais jamais vu la photo d'Hoffman avant. La peinture. Il dit, mais quand je suis allé à l'église de Billy Sunday, j'ai vu cette image. Alors, cela m'a rappelé. Ile mara mwena nikumbusha. Et il dit, je n'ai jamais manqué cette image dans ma maison. Ile picha munyumba yangu. Combien ont ça dans leur maison? Banga bibeko na hii picha manyumba yabo. Ah, c'est merveilleux. Oh, ni amastajabu. Je suis en train de parler des images. Niko nasemea kwa ajili ya mapicha. Parce que aujourd'hui, njoo leo, sans le savoir ou le savoir, bila kuijua wala mwenye kuijua, il y a l'adoration par image. Kuko kuabudu kwa mapicha. Pourtant Dieu a dit, vous n'aurez pas d'image taillée. Dieu est compliqué. Le même Dieu qui a dit, vous n'aurez pas d'image taillée. Mais quand le péché est entré, il leur a dit, faites l'image d'un serpent d'airain. Quiconque veut être guéri doit regarder cette image. Amen. Amina. Il refuse l'image à droite. Anakata la picha kulia. Il introduit l'image à gauche. Anaingiza picha ile kushoto. Alors si l'adoration kama kuabudu c'est fait aussi par image, il faut connaître l'image correcte. Amen. Amen. Amina. Est-ce que vous êtes là? Mukuna nielewa. Nous, on n'adore pas les images. Nous adorons le Père. Parce
parce que l'heure vient, elle est déjà venue, les vrais adorateurs adoreront qui? Le Père. Baba. En esprit katika ro, et en vérité. Na katika kweli. Nous adorons le Père. Tuko na mwabudu, Baba. Mais il arrive qu'on adore ce Père à travers les images. Sasa inafikiaka tunamwabudu ule Baba kupitia mapicha. Alors quelle est l'image correcte? Sasa picha ya mzuri ni picha kani? La photo de la niwe, ile picha ya wingo, est comparable, inalinganishwa, au dessin d'Hoffman, na ii kuchora kwa Hoffman. On n'a jamais manqué une de ces images. Ainsi, là dans les cieux, cela prouva que le même Dieu que j'avais vu ici, dans cette vision, quand je n'étais qu'un petit garçon, ici près de l'endroit où se trouve cette école, avait la même apparence. Et là dans les cieux, 33 ans plus tard, il confirme que c'est la vérité. C'est bien là son aspect. C'est bien là son aspect. Retenez-moi bien le mot aspect. Muni chunge mzuri imusemo sula. Important pour nous dans cet enseignement. Aspect. Parce que nous allons arriver tout à fait là où Apocalypse donne sa description. Il dit facile il avait l'aspect facile au funo. Inamufasilia, inasema alikuwa na sura ya d'une pierre de jaspe, dibwe ya yaspi et de sardoine. Na dibwe ya sardoine. Quoi l'aspect? Nini sura yake? Dans Apocalypse, il se présente avec double aspect. Maana yake katika ufunuo anaonekana mwana mansula mbiri. Jaspe, sula ya jaspe et sardoine. Dans sula ya sardoine. Et c'est l'un des aspects nani moja ya mansula que frère Branham présente. Il est ndu Branham anaonesha hapa. Est-ce que vous me suivez très bien? Mukuna nifuata mzuri zaidi. Si vous saisissez cette clé, c'est terminé. Kama unaelewa tu hii kunaisha. La divinité ne sera plus un problème pour toi. Bumungu abuta kuyaka tena tatizo kwa ajili yako. Une seule personne mais avec les aspects. Muntu moya kwa lakini na mansula kwa chana chana. Amen. Amina. C'était là son aspect. Ile ndio alikuwa kansula yake. Branham parle de trois comme confirmation. Branham anasema ndio ya tatu kama vile hakikisho. Il dit, anasema, je l'ai vu en vision, j'étais un jeune homme. Niri monaratika ono, nikuwaka nchingariki kijana. Il priait pour son papa pour qu'il ne meure pas alcoolique. Alikuwa naombea baba yake ili baba yake asikufwe mulevi. Il portait un pyjama, il pleurait. Alikuwa shakuvala nguo kulala nayo na alikuwa analia. Et le pyjama était mouillé. Na ile nguo kulala nayo.
Et Jésus est apparu comme dans un champ de maïs. Il dit, il me regardait pas, c'était le profil. N'hérite pas avec la balle, il donne tous les détails. Il dit, je dois l'appeler, comme j'ai lu une partie dimanche. Jésus! Et il est tourné pour me regarder. Il dit son aspect. Aucun artiste ne peut le peindre. Ça, c'est la vision. Maintenant, plusieurs années après, un jour, Branham va dans l'église de Billy Sunday. Il trouve cette peinture. Il dit, « Ambo, mais l'homme que j'avais vu, oh, mais c'est exactement ça. » Et il a acheté cette photo. Il dit, « J'ai gardé ça dans ma maison. » Premièrement, vision. Deuxièmement, il rencontre la peinture d'Hoffmann. Troisièmement, cette fois-ci, ce n'est ni vision, ni dessin, mais une photo. Le 28 février 63, la science prend la photo de la nuée. Frère Branham dit, ça m'a confirmé que c'est ça son aspect. Le même homme que j'ai vu dans la vision, le même que Hoffmann a peint, quand on prend la photo de la nuée, en tout cas c'est lui. Est-ce que vous comprenez? Il dit, alors c'est ça son aspect. Jusque là ça va? Ainsi, Ivi, il confirme que c'est la vérité. C'est bien là son aspect. Ce n'est pas une certaine chose mystique venant d'une idée de quelqu'un. C'est-à-dire la forme de Jésus ou l'image de Jésus, c'est ça. La nuée est venue conclure. Ce n'est plus seulement la pensée de quelqu'un, mais c'est ça son aspect. Parce que la nuée, c'est la photo. Et c'est Frère Branham qui connaît. Nous nous répétons. C'est lui le connaisseur. Maintenant, la même prédication au paragraphe 167. Nourriture spirituelle. Maintenant, s'il nous apparaissait dans un corps physique ressemblant tout exactement à la tête de Christ à 33 ans d'Hoffmann, avec du sang coulant de ses mains, ainsi de suite, couvert de cicatrices, de clous, je n'accepterai pas cela. Non. Quatre fois. Quand il viendra lui-même, tout œil le verra, toute langue confessera,
et comme l'éclair part de l'Orient jusqu'en Occident, ainsi en sera-t-il. Vous voyez, nous ne croyons pas dans ces cultes et ces clans. Nous croyons que Dieu est la parole. Mais il s'incarne lui-même. Prenant votre corps et mon corps, et il vous donne des dons. Il me donne des dons. Et à travers ces dons, il se fait connaître lui-même. C'est cela la nourriture cachée. Peu importe combien il se ferait connaître lui-même par moi, vous devez croire cela. Vous devez aussi avoir un don de la foi pour croire cela. Croyez-vous cela? L'Assemblée dit amen. Et maintenant, s'il se manifeste de cette manière-là, le croirez-vous? Le croirez-vous de tout votre cœur? Oh, combien c'est merveilleux de s'attendre simplement à lui. Attendre simplement pour voir ce qu'il dit. Il est vrai que l'aspect de Jésus, c'est ce que Hoffman avait essayé de faire. Qu'est-ce qui nous confirme cela? Deux témoins. La vision de Frère Branham, quand il priait pour son papa, puis la photo de la nuée. Ces deux témoins ont confirmé l'image de Hoffman. C'est vraiment ça l'aspect de Jésus. Et les croyants de Branham ne peuvent pas manquer ces images. Mais bien que ça, c'est la même prédication, hein? Il a quitté les paragraphes 90, il arrive à 167. Il continue à débobiner son idée. Malgré que ça soit son aspect. Mais aujourd'hui, si un homme apparaissait exactement ce visage, est-ce que vous suivez Frère Branham? 167. Exactement ce visage, il apparaît avec des clous, des cicatrices, hein? Le sang coulant. Branham dit, je n'accepterai pas. Non. Amna. Non. Amna. Non. Amna. Non. Amna. Il dit, ces cultes-là, hein? Nous ne croyons pas à ça. À toi, mine, il est ibada, il est... Est-ce que vous me suivez bien? Nous reconnaissons que c'est ça l'aspect de notre Seigneur. Mais aujourd'hui, cet aspect-là nous apparaît. Non. 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 Il dit ce qu'il doit faire aujourd'hui. Il doit s'incarner. Est-ce que la citation est encore là? Et il dit, il vous donne des dons. Il me donne le don. Il se manifeste. Et écoutez, il dit le don qu'il vous donne, c'est le don de la foi. Pour faire quoi? Pour croire que lui, il se révèle par moi. Et amen. Pour que
que tu acceptes que Jésus aujourd'hui se révèle par Branham, il faut que Dieu te donne le don. Quel don? Le don de la foi. Il s'incarne et il se manifeste. Jésus aujourd'hui, on ne le voit pas dans cet aspect, bien que ça soit son aspect. Yesu leo abamone na insula atavile injonsula yake. C'est pourquoi dans Apocalypse il dit l'aspect insula de jaspe ya jaspi et sardon. Ça c'est jaspe. In insula jaspe. Alpha. Jaspe sardon signifie alpha et omega. Na omega. Ça c'est sa forme alpha. In insula yake ya kwanja. La forme connue. Insula ile barisha jua kwa bantu bote. Son aspect. Ile insula yake. Sa forme à lui. Insula yake yeye. Mais selon Apocalypse, il ne s'arrête pas seulement dans l'aspect de la pierre de jaspe. Il prend aussi la pierre de sardoine. Omega. Omega. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez très très bien? Est-ce que je peux avancer? Ça c'est l'aspect de Jésus. Et nous allons voir qu'avec Colossiens, que c'est lui-même l'image de l'Elohim invisible. Prenons d'abord quelque chose. Non, et tu ne le sais pas. Non, prenons d'abord Christ est révélé dans sa propre parole. Kwanza tuchukue Kristo anafunuliwa ndani ya neno yake yepeke. Paragraphe 72. Kifungu yake ya 72. Parce que il y a une tendance dans la divinité. Mubumungu kunkunjimwe abantu qui prennent Jésus alors la deuxième dans la divinité. Parce que frère Branham a dit, nous avons lu des citations, que le corps était le tabernacle. Le corps n'était pas Dieu. Et par cela, une tendance prend Jésus comme la deuxième personne. Non. Ce n'est pas comme ça. Cette unicité de Dieu, se subdivise en corps et esprit. À un moment, il se sépare. À un moment, il revient. Et c'est ça qu'il faut bien saisir. Il dit, maintenant, pour étudier l'Écriture, Paul a dit à Timothée, étudie là, dispense droitement la parole de Dieu qui est la vérité. Il y a trois règles indispensables à respecter par rapport à l'Écriture. En utilisant la parole de Dieu, il y a trois choses que vous ne devez pas faire. Étudions donc cela pendant les 10 prochaines minutes. Trois choses que vous ne devez pas faire. Et où que vous soyez, d'un bout à l'autre du pays, assurez-vous de bien les noter dans votre pensée si vous n'avez pas de crayon. Vous ne devez pas faire ces choses.
Nous vous disons constamment ce que vous devez faire. Maintenant, je vais vous dire ce que vous ne devez pas faire. Eh bien, vous ne devez pas mal interpréter la parole. Vous dites, eh bien, je crois que cela veut dire ceci. Cela veut dire exactement ce que cela dit. Cela n'a pas besoin d'interprète. La parole reste telle qu'elle est donnée. Et vous ne devez pas mal placer la parole. Et vous ne devez pas disloquer la parole. N'est pas mal interprété, mal placé et disloqué. Savoir si j'ai une écriture, il faut vérifier s'il n'y a pas une autre. Parce que quand votre enseignement, votre foi, votre doctrine commence à esquiver d'autres citations du prophète, c'est-à-dire ton enseignement est faux. Un enseignement solide et correct doit être debout dans toutes les écritures. Ça ne peut pas disloquer une autre partie de la parole. Est-ce que vous me suivez très bien? Alors, quand on place mal quelque chose, quand on interprète mal, certainement que ça va disloquer le reste. Remarquez, mal interprète, il dit, vous ne devez pas disloquer la parole. Si vous arrivez de faire une ou autre chose de ces trois choses, cela jetterait la confusion et le chaos dans toute la Bible. Écoutez, remarquez, mal interpréter Jésus. Dans sa forme de Dieu dans un homme, vous amènerez à faire de lui. Vous ferez de lui un Dieu parmi trois. De mal interpréter Jésus-Christ comme étant la parole, vous ferez de lui un Dieu parmi trois. Ou vous ferez de lui la deuxième personne d'une divinité. Et en faisant cela, toute l'écriture deviendrait un vrai fouillis. Et vous n'arriverez jamais à rien. Un ne doit donc pas être mal interprété. Si quelqu'un interprétait mal Jésus-Christ dans la Bible, comme n'étant pas Dieu lui-même, est-ce que vous suivez très bien? Et faisait de lui une deuxième personne. Ou bien un Dieu sur trois. Cela bouleverserait chaque parole de la Bible dans son entièreté. Cela violerait le premier commandement. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Très bien. Cela ferait de toute la race des chrétiens une bande d'adorateurs païens adorant trois dieux différents. Voyez-vous quelle sorte de Bible vous auriez? Cela ferait alors de nous ce que les juifs disent que nous sommes. Quand ils demandent, mais lequel de ces dieux est votre Dieu? Vous voyez? Donc vous voyez, vous ne pouvez pas, vous ne devez pas
mal interprété la Bible. Car Jésus lui-même est l'interprétation de la Bible. Lorsqu'il est rendu manifeste dans l'âge, ou la portion de son corps est rendue manifeste. Si c'est l'âge de la main, il faut que ça soit une main. Ça ne peut pas être l'âge de la tête. Si c'est l'âge de la voix, et eh bien ça ne peut pas être dans l'âge du pied. Et nous sommes présentement à l'âge de l'œil. C'est l'âge de l'œil. Les jours où on a dit que l'œil verra, c'est cet âge-ci. Amen. Amina. Donc mal interpréter Jésus, vous verrez qu'il n'est pas Dieu. Mais pasteur, frère Branham a dit le corps n'était pas Dieu. Oui, exactement. Quand l'esprit se sépare du corps, le corps n'est pas Dieu. Wakati ile roho inatoka mwile mwili, ile mwili inabakia haina Mungu. Mais quand ça retourne ensemble, c'est Dieu. Kama roho na mwili vinarudia pamoja, ile mwili inakuwa Mungu. Est-ce que vous suivez très bien? Mungu ananifuata mzuri. Jésus est Dieu lui-même. Yesu ye mwenyewe ko Mungu. Colossiens, nous allons entrer bientôt là. Il est l'image du Dieu invisible. La forme d'Elohim, c'est Jésus. Quand Elohim voulait être vu, c'est Jésus. Est-ce que vous suivez? Mal interpréter Jésus, vous ne verrez pas qu'il est Dieu. Vous le verrez la deuxième personne. Et là, vous devenez un vrai païen. Même si vous adorez, vous êtes un païen. Parce que tu ne connais pas Dieu. Jusque-là, ça va? Est-ce qu'on peut avancer? Jésus, Yesu, c'est Dieu. Ni Mungu. Il n'est pas la deuxième personne dans la divinité. Muntu wa pili katika bumungu. Et la divinité na bumungu est composée du corps et esprit. Unatungiwa na mwili pia na roho. Quand l'esprit n'est pas là, le corps c'est le tabernacle. Et quand ça rentre ensemble, c'est ça Dieu. Na wakati binaruria pamoja, njo Mungu sasa. Si Dieu a une forme, kama Mungu eko na nsula, c'est Jésus. Ni Yesu. Est-ce que là ça va? Paka hapa, uko na nielewa. Et quand tu rentres à ta maison ce soir, tu vois un homme comme ça. Sasa, mukururia kwa koleo, hapa kuna ruri hapa. Munjia, unakutanishana na mtu wa hivi. Dans ta chambre, il t'attend. Au mchumba yako ya ndani. Unafika unamkutanisha paka hivi hapa. Il dit, mon enfant, je suis là, tu viens de l'église. Mtoto yangu, mie huyu shunono natokea ku kanisa. Il faut le chasser. Inapasha kumfukisha. Bien que je connaisse que c'est ça l'image de Dieu, mais aujourd'hui, Dieu ne peut pas se manifester comme ça. Est-ce que vous comprenez? Je garde ces photos. Je garde cette photo avec beaucoup de respect. Je sais que mon Dieu, Elohim, sa forme, c'est ça. Dans le millénium, je le verrai comme ça. Et mais aujourd'hui, un homme comme ça, muntu wa insula ya hivi, non. Amna. Je les
chasserai. Je vais les chasser. Je dis, tu n'es pas Jésus. Est-ce que vous comprenez? Les mamans, est-ce que vous suivez? Ba mama, mukuna fuata muzuri. C'est le moment de me saisir. Ba mama, njo saya umwe kunishikia ni hapa sasa. J'explique très Niko bien. Na fasilia muzuri sana. La divinité. Bumungu. C'est ce que je crois. Njo kile mie minami. C'est ce que frère Branham croit. Njo kile nduku Branham anaamini. Que notre Dieu Asema, Elohim, Mungu wetu Elohim, Jehovah de l'Ancien Testament, ule Yehova wa agano la kale, c'est Jésus dans le Nouveau Testament. Yesu Christo mwagano mupia. C'est ça Dieu. Njo Mungu ni huyu. Même dans la nuit, c'était lui. Atamu wingo, ilikuwa ni paka yeye. Pour confirmer. Kwa ajili ya kuhakikisha. Que le même qui est asema, monté. Ule mwemwe alipandaka. C'est lui qui est. Ndio paka yeye anafanya nini? Anachuka. Et quand il est descendu. Na wakati alichuka. Terminé. Kuna isha. Il s'incarne. Anadingiza mumwili ya muntu. Nourriture spirituelle, paragraphe 167. Chakula ya kiro kifungo yake ya 167. Alisema mala ine apana. Cette image avec les cicatrices tout ça. Na maalama misumari yote bila sema apana 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 apana. Sitakubali. Sa manifestation aujourd'hui. Onekana kwake kwa leo. Ni kutingiza mumwili ya muntu. Kondani yangu. Et il vous donne le don de la foi. Anamipatia imakipacha mani. Jua kuamini ile. Est-ce que tu peux dire à ton ami que c'est si simple? Unaweza kuonesha rafiki yako asema shibiko teke teke. C'est si simple. Teke teke. Si simple. Teke teke. Comme ça tu seras mon avocat. Pale utakuwa mtetezi wangu. Quand on va me calomnier. Pale watakuwa mbona nishimanga. Shikia wale mchungaji wenu bintu anaamini. Il n'aime pas Jésus. Ashimupendake Yesu. Il ne croit pas Jésus. Yesu mwenye ashimuamini. Il n'adore pas Jésus. Yesu ashimuabudu. Ah, tu vas lui dire il adore Jésus. Ah, utamweleza sema anamuabudu aka Yesu. De la manière qu'il faut. Mwana munamuna ile inapashwa kumuabudia mu. C'est Jésus notre Dieu. Ni Yesu njo Mungu wetu. Et je souligne bien que Jésus de Nazareth, l'homme de Galilée. Na mina kazia kabisa sema Yesu wa Nazareth, ule mtu wa Galilea. C'est la forme du Père. Njo sula ya Baba. Hein? Hmm? Seulement cette forme ne peut pas m'apparaître ici aujourd'hui. Voilà, Dieu a choisi une autre forme pour se présenter à l'église. Et c'est cette forme-là qui semble être la pierre d'achoppement. Maintenant, il faut aller dire à Dieu, Seigneur, il ne fallait pas que tu sois Alpha et Omega. Il fallait être seulement Alpha. L'Alpha et l'Omega. Na Omega. Ce sont des aspects. Ni mansula yake. L'aspect de Alpha est beaucoup aimé. Sula ya kumwanzo wala ya Alpha bana ipenda sana. Parce que c'est déjà de l'histoire. Ni mambo shaka pita shaku ya karish. Mais l'aspect Omega. Sasa l'aspect Omega. Sula Omega. Il faut les élus. Ah, inapasha paka bateule. Ça va? Mukuna nielewa. Et Jésus dans Omega et Jésus dans Alpha. Qu'est-ce que tu préfères plus? Na Yesu wa Omega, na Yesu wa Alpha. Ni Yesu kani unapenda sana. Na lobi le côté. Ah, longu shi asema kintu. J'ai seulement posé la question. Longu mina kuuliza tu.
Jésus. Yesu. Dans sa forme de Omega. Ndani ya nsula yake ya kumwisho. Et dans sa forme na de mwi, Alpha. Ndani ya nsula yake ya kumwanzo. Qu'est-ce que tu préfères le plus? Ni ya wapi ulo napenda kabisa. Kufundisha, minta fundisha. C'est mon domaine, l'enseignement. Na kyo kinyonyo kiwanza kyangu shaka zobele yaka, mafundisho. Rendre les choses simples et claires. Kukuisha bintu teke teke, tena wazi wazi. Allez maintenant répondre. Allez répondre. Sasa mwende mukabajibu, mwende mukajibu. Christ est le mystère de Dieu révélé. Christo eko ile siri ya Mungu iliyo funuliwa. Je vais aller doucement, lentement. Même un enfant de l'écotime peut commencer à défendre. Ata mtoto wa darasa siku za Mungu anaweza kuanza kutetea hivi bintu. Paragraphe 121 frère Branham dit. Kifungo yake ya 121 ndio mama anasema. Oh merci Seigneur. Eh hey, asante Bwana. Il est le thème principal de la Bible entière. Eo kishina ya muhimu kabisa ya Biblia yote mjima. Si vous lisez la Bible, kama unasoma Biblia, et que vous ne voyez pas Christ, na aumone mo Kristo. Dans chacun de ces versets, kila moja ya miandiko ya mu Biblia, revenez et relisez la. Anzulula na usome tena. Vous voyez, shunaona, si vous ne pouvez voir Christ, kama auwezi kumuona Kristo, dans chaque verset de la Bible, mukila andiko ya Biblia, alors lisez-la encore. Somulula tena. Parce que vous avez manqué quelque chose. Wani ulisha lusa kitu moja. La Bible c'est Christ. Biblia yote ni Kristo. Il est la parole. Kristo ni neno. Quand vous lisez, wakati kunasoma, au commencement Dieu créa. Kule mwanzo Mungu aliumbaka. Christ est là. Kristo eko pale. Vous voyez? Naona? Jusqu'à la main de l'Apocalypse. Paka kufikia kuile amina ya mufunuo. Chaque parole, kila neno, témoigne de Jésus-Christ. Iko na mushudia Yesu Kristo. Paragraphe 129. Kifungu yake ya 129. Il est le thème principal de la Bible. Eko kishina kya muhimu kya mu Biblia. Il était dans les prophètes. Alikuwa ndani ya manabii. Il était dans les psaumes. Alikuwa ndani ya mazaburi. Il était dans l'histoire de la Bible. Alikuwa ndani ya historia ya Biblia. La Bible c'est un livre prophétique. Biblia ni kitabu kya unabii. C'est un livre d'histoire. Ni kitabu kya historia. C'est un livre d'amour. Ni kitabu kya mapendo. C'est un livre de cantique. Ni kitabu kya nyimbo. Livre de vie. Et là dedans, na mulendani, vous trouvez Christ. Unamukutanisha mo Kristo. Il était dans les prophètes. Alikuwa kandani ya banabi. Il était dans les psaumes. Alikuwa kandani ya mazaburi. Il était dans l'histoire. Alikuwa kandani ya historia. Et dans la Bible. Na ndani ya Biblia. Il est aussi les choses à venir. Eko tena bintu bile bitakuya. Ainsi, ivi, il était avant. Alikuwa kumwanjo. Et il sera après. Na atakuwa kumwisho. Qu'est-ce que cela fait alors de lui? Basi nini le namfanya yeye? Le même hier. Inamfanya yeye sawa jana. Aujourd'hui. Léo. Et éternellement. Tena atamilele. Et vous injectez quelque chose là-dedans. Na munengiza kitu moja mule ndani. Qui ne fait pas de lui le même hier. Kile akimfanya yeye sawa jana. Aujourd'hui. Léo. Et éternellement. Atamilele. Frère Lee, où allez-vous? Nduku Lee, uku naenda wapi? Vous obtenez là une image horrible. Ale unapata picha ya ofu. De blâmer frère Lee. Ndugu Branham antoka mufokea nduku Lee. Where Levi? Ndio ndugu Levi. Et dit Christ. Asema Kristo. Et le thème principal. Eko kishina kya muhimu kya lazima. De toute la Bible. Ndani ya Biblia yote mzima. Et frère Branham sachant bien que Christ signifie un homme bon. Na ndugu Branham mwenye kujua mzuri asema Kristo ni ule mtu arisha pakaliwa. Quelqu'un peut lire et attribuer ça à frère Branham. Mtu anaweza kusoma hii andiko na nampatia ndugu Branham. Ou à Noé. Wala anapatia yo Noah. Ou à Moïse. Wala anapatia yo Musa. Parce qu'ils étaient aussi de Christ. Na bo
Alors frère Branham a spécifié. Il a dit Jésus-Christ. Il est le thème principal de la Bible. Biblia. Dans chaque verset, vous devez voir Jésus-Christ. Le thème principal de toute la Bible, c'est Jésus-Christ. Ni Jésus-Christ. C'est lui dans les psaumes. Ni Mazaburi. Dans l'histoire. Et comme historia. Dans des prophètes. Et comme Banabi. Toute la Bible. Jésus est le thème principal. Des thèmes sont là. Bishina bikuako. Frère Branham, c'est un thème. Ndou Branham, na yeni kishina kabisa. Adam, c'est un thème. Adam, ni kishina kabisa. Moïse, c'est un thème. Moussa, ni kishina. Nous sommes des thèmes. Natache, tuko bishina. Parce que la Bible, c'est la vie des hommes. Ndou Biblia, ni maisha ya bantu. Mais, walaki. Le thème principal. Kishina ya muimo. L'homme le plus important, Muntu walazima kabisa, de toute la Bible, dans la Bible yote muzima, c'est Jésus-Christ. Ni Jésus-Christ. Quand nous parlons de ce thème, Jésus est là. Voilà, tu as semé quoi dire les kishina, Jésus est quoi. Vous parlez de Moïse, Jésus. On a semé Dieu à Moussa, Jésus est copain. Somme, il est là. Zaburi est copain. Vous parlez de Branham, il est là. On a semé Dieu à Branham, Jésus est copain. C'est lui le thème principal. Yendo kishina kia muimo. C'est pourquoi l'adoration lui est accordée. Ni kwa mana kwa budu bana mupati ako yeye. Jésus est le thème principal. Yesu ndio ile kishina ya muimo. Est-ce que vous comprenez? Ukuna nielewa. C'est lui la conclusion. Yesu ndio neno mkomo ndio kukomesha. La conclusion de nos prédications. Aha, ndio ukomo kukomesha kwa mahubiri yetu. La conclusion de nos cantiques. La conclusion de tout ce qui nous concerne. Jésus-Christ. Ni Jésus-Christ. 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 Thème principal. Kishina kia kwanza kia lazima kabisa. Amen. Amina. Il dit, si vous injectez quelque chose, vous aurez un tableau horrible. Mutapata ile picha ya ofu, ya boka kubwa. Frère, où est-ce que vous allez avec ça? Nukuli, naibi, ukunenda nabio wapi. Frère Branham a blâmé Levi. Nduku Branham alimufokea Levi. Là où il présente Jésus comme étant le seul thème. Kule kunaonesha, pale kunaonesha Yesu sale kishina moja tu. Il a blâmé Levi. Njo pa ile fwacha na mufokele hapo Levi. Parce que Levi, njo Levi, avant de venir au message, mbele yake kwa kujumbe, il fit témoin de Jova. Alikuyaka mushuda wa Yehova. Et il semble que, na ina malgré sa conversion, ya kwamba, aizuru vila ribadirika, il n'a pas totalement abandonné le concept des jovistes sur Jésus. Akuacha kabisa ile mawazo ya Yesu ni mwana. Ah. Et c'est ça qui fait que na nile nafanya kwamba il met ces choses là parfois dans les enseignements, cite les noms des gens. Eko naweka mabintu bile masangine mafundisho wanataka majina bantu. Ce n'est pas un péché. Akutaya njina mtu mu mafundisho aina nzambi. Levi a mis ça dans son disciple Brian Kokurek. Levi altiele mambo ndani ya mwanafunzi wake Brian. Et Kokurek? Na Kokurek. Brian? Il fait des courses en Afrique monnayant. Eko na jungluka mu Afrika umu mukuripa bantu. Surtout les Congolais qui sont trop achetables. Zaidi ba kongomani bale banapendaka babakate milomo. Il y a toute une version dans le message aujourd'hui. Ukonkunji kabisa ya bantu mujumbe leo. Qui sont catégoriques. Bale banabakililia ngambo mwa kabisa. Que Jésus n'est pas Dieu. Asema Yesu ashina Mungu. Il est le fils. Yesu ni mwana. Et
les gens croient ça. Mais merci Seigneur pour la révélation. Parce qu'en sondant le message, je vois frère Branham me reprocher lui.